Salut tout le monde, c'est Paulin, bienvenue sur Pokémon Épée et c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois, on s'est laissé ici et on a bien claqué notre rival la dernière fois. Vraiment, je croyais que c'était un combat serré, mais... Ah ouais, j'ai déjà exploré cet endroit. Ma bad, je croyais que j'avais pas exploré cet endroit. Mais ouais, la dernière fois, on a bien claqué, c'était magnifique, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à aller dans la Polo Store pour vous procurer un t-shirt de la mort de ce genre. Le lien est juste en bas de cette vidéo ou dans la description de la vidéo. Vous allez retrouver le lien partout. N'hésitez pas à aller là-bas, peut-être que vous allez trouver quelque chose de bon. On ne sait jamais! Alors, j'ai lu vos commentaires et vous étiez plusieurs à me donner des conseils comme le mien, ce que j'ai obtenu dans le cadeau mystère qui est juste ici. Eh bien, faudrait que je le garde pour la simple et unique raison que je peux le dynamaxer à ce qui paraît. Oh, ça va être magnifique! Et la dernière fois, j'avais capturé un... C'est quoi encore le Pokémon? Un Zigzagoon? Ouais, à ce qui paraît, il y a trois évolutions. Non, deux évolutions parce que c'est la forme galère de Zigzagoon et tout là. Mais bon, en tout cas, on verra ça dans le futur. Polo, j'ai un super conseil pour toi. Tu sais, les Pokémon des hautes herbes qui déboulent toujours dans nos pattes sans prévenir, eh ben, si tu passes super lentement dans les arbres en te baissant, ils t'ignoreront. Et à l'inverse, si tu siffles, ils vont tous rappliquer à tout à l'heure. Oh, on peut siffler? Tu sais pas siffler, c'est tout bête, il suffit d'appuyer sur le stick gauche. Ah, hé, j'ai une idée, si on faisait le concours de qui attrapera le plus de Pokémon. Ouais, déjà, t'en fais pas, c'était mon but depuis le début. On dit qu'on se retrouve à la gare de Brunswick, tu sais, où on était allé chercher Tarak. En parlant de Tarak, c'est vrai. J'ai lu un commentaire qui me disait que si je tourne en rond comme ça, je vais faire la pose de Charizard. Ah! Ah! Ah ben oui! Ah! La personne qui m'a dit ça, c'est ma patrouille! What the hell, man? Oh! Oui, la gare est par ici! Ah! Ok, je suis en train de me diriger vers la gare et puis ce bonhomme est en train de me interrompre dans ma marche, voyons donc. Ouais, ok, j'arrive, frérot, ne t'en fais pas! Est-ce qu'il est encore là, selon vous? Est-ce qu'il m'attend ou... Ah, ok, ouais, il m'attend. Alors, t'en as combien? Moi, j'ai trouvé un super Pokémon, voyons voir! Quoi? Zéro? Mais qu'est-ce que t'as fichu? Tu sais qu'il faut que tu montes une équipe... Ah, tu voulais faire le concours maintenant! Vous recevez la CT40 Meteor... Oh, ok, ça c'est une attaque qui ne rate jamais, si je me rappelle bien. Le lanceur envoie des rayons d'étoiles, touche toujours l'ennemi. Ah, ok, ouais, je me rappelle bien ça. Tiens, je te donne une CT pour la peine. Grâce au calcul technique, tu peux enseigner tes capacités autant de fois que tu veux à tes Pokémon. Avec celle-là, tu peux enseigner une Meteor à un de tes Pokémon, c'est un cadeau de frangin. Le défi des arènes commence à Motorbee. On n'a qu'à prendre le train jusque là-bas. Allez, suis-moi. Motorbee, j'arrive, Pepito. Non, mais je croyais que la course au Pokémon, ça se faisait jusqu'à la fin du jeu, pas jusqu'à maintenant. Pas si vite, tous les deux. Oh oh, tu vas te faire gronder, Nabil. Maman, qu'est-ce que tu fais là? J'ai honte, arrête, maman, non! Tu ne croyais quand même pas t'en tirer avec un au revoir rapide? Oh que non, maman, t'accompagnes à la gare, mon trésor. Vous voyez comme les parents adorent leurs enfants. Le professeur McNolan nous a dit ce qui vous attendait. Tenez, ça devrait vous être utile. Vous recevez un kit de camping. Oh, ok, c'est dans les objets rares. Ce kit permet d'installer une tente dans les zones de camping des terres sauvages et de cuisiner. Cuisiner? Oh, what? Tant que vous restez avec vos partenaires, tout ira bien pour vous. Merci, maman. Je vais devenir maître de galère comme Tarak. Tu vas être trop fier de nous. Mais oui, mon trésor, allez, amusez-vous bien et faites attention sur la route. Au revoir, ne vous inquiétez pas. On va dire, ne vous inquiétez pas. Bon, on y va. J'ai hâte de voir tous les dresseurs et tous les Pokémon qu'on va rencontrer. Allez, on se dépêche, Polo, je suis trop hype. 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 Pourquoi l'écran est noir? J'ai entendu un drrrring, mais montre-moi le train. Ah, voilà le train. Voilà, voilà. Quoi, ils sont en train de jouer au iPad? Motorbee est entouré par les terres sauvages. Je me demande s'ils sont en train de jouer à Clash Royale. C'est super, les terres sauvages, il y a plein de Pokémon sauvages qui s'y promènent pépère. On peut aussi y faire du camping ou encore aller pêcher, c'est trop bien, je te dis. Ah, wow, ok. Camping, pêche. Je savais pas que ces bonhommes pensaient à la pêche. Comme quand t'es jeune, tu penses pas vraiment à la pêche, ça c'est plus quand t'es un vieux, ouais, comme... Bon, moi je pense à la pêche aussi, non mais... en tout cas, non. Monsieur le chef de gare... Monsieur le chef de gare, pourquoi on s'arrête ici? C'est la gare des terres sauvages, non? Un troupeau de moutons envahit les voies et le quai. Il faut interrompre la circulation. Trop bien! What? Regardez, il est fou! Honnêtement, les deux réponses que je peux lui donner sont « What the hell? » Mais bon, allez, trop bien! Bah oui, les terres sauvages, c'est immense, il y a plein de Pokémon! C'est notre chance de trouver pile ce qu'il nous faut pour monter l'équipe ultime!
Ouais, je crois pas que ce soit ici que je vais monter l'équipe ultime. Mais bon, parlons, Jean. Attends une minute, t'aurais pas déjà voyagé avec un Pikachu sur ton épaule? Mais oui, je le savais, t'as déjà eu un Pikachu comme premier partenaire. Dans ce cas, je suis sûr que tu seras bien occupé de ce petit Pikachu. Montre-le, mon ami aussi. Oh! Oh! J'ai déjà Pikachu? Pas arrêter, no way! Ok, c'est parce que j'ai Pokémon Let's Go Pikachu sûrement. Si j'avais Pokémon Let's Go Eevee, on m'aurait donné un Eevee, c'est ça? Les données Pikachu ont été ajoutées au Pokédex. Pokémon souris. Plus la puissance électrique de Pikachu est élevée, plus les poches de ses joues sont extensives. Pikachu, c'est mon Pokémon préféré. Et pourquoi il est numéro 194? Il devrait être number one! What the hell? L'inclure dans l'équipe, c'est sûr à 100%! Si vous croyez que je vais pas l'inclure dans mon équipe? Attendez. Je crois que je vais enlever le Pokémon vol. Ouais. Oh, est-ce qu'on peut dynamaxer Pikachu? J'espère que oui! Ce serait tellement nice! Le Pikachu que je t'ai donné est très spécial. Essaie de le dynamaxer, tu comprendras! Oh, oh my god, c'est trop fou, oui! Tu sais, ma belle, je te remercie infiniment pour le Pikachu que tu m'as donné, mais tu fais une erreur! C'est le 1 255 543e Pikachu que tu donnes aux gens, voyons donc! Le Pikachu que je t'ai donné est très spécial. Essaie de le dynamaxer, tu comprendras, d'accord. Attends une minute, t'aurais pas déjà voyagé avec un Evoli sans tête? Ah! Ok, il me faut Let's Go Eevee, je vais aller acheter le jeu. Ben non, c'est une blague. Alors, vous savez, dans les commentaires, il y a plusieurs gens qui me disent « Arrête de parler à tout le monde, tu es comme avance dans le jeu et tout. » Si j'avais pas parlé à cette fille, j'aurais jamais eu mon Pikachu, voyons donc. En résumé, je préfère fouiller partout, parler à tout le monde et on va peut-être découvrir des trucs intéressants. Mes enfants, un cadeau spécial pour les gens qui ont déjà eu une expérience. Let's go! Ah, par contre, ne me demande pas ce que ça veut dire. Va plutôt demander à mes rejetons. Hey, c'est pas des rejetons. Arrête d'insulter tes enfants, voyons donc. Désolé, impossible d'aller à Motorbee pour le moment. On peut vous ramener à Brunswick à la rigueur, mais c'est tout. On ne va pas déranger ces pauvres Pokémon juste parce qu'on a un train à faire rouler. Il y a des priorités dans la vie. Oh wow, toi tu devrais devenir président d'une compagnie, voyons donc. Et oh, on peut s'asseoir. Oh c'est nice. Ben ouais, c'est ça, si je parle pas à tout le monde de cette façon, un jour vous allez me dire Poulou, pourquoi tu parles pas à tout le monde, il y a des secrets à aller chercher. Donc on peut pas plaire à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Alors je vais faire ce que moi je veux faire, c'est-à-dire parler à tout le monde. Ouais, c'est ça. Bon, non, c'est pas... Quand j'ai dit je voulais parler à tout le monde, c'est pas à lui. Plus tu iras loin dans les terres sauvages, plus tu rencontreras des Pokémon puissants. Si jamais tu tombes sur un Pokémon trop fort pour toi, pense à utiliser des Poképoupées. Une Poképoupée. Oh, des Poképoupées en fin de compte. J'ai prédit l'avenir, vous avez vu. Elle m'en a donné 5. Ou c'est un il? Je vois pas trop bien. Peu importe la puissance de Pokémon, si tu continues de collectionner diligemment les badges d'arène, tu finiras par pouvoir l'attraper. Attendez, je veux juste voir si c'est un il ou un elle. Ok, c'est elle. Parce que je vous dis tout de suite. Ça aurait pu être un heal. Alors, j'ai une chose très importante à faire. C'est jouer avec le PC. Attends, où souhaitez-vous vous rendre? Pendant un instant, j'ai cru que c'était un PC. Garde Brunswick. Ok, non, on va pas prendre le train. Parce que là, j'ai un petit tuto avec moi que je veux jeter à la poubelle. Mais plutôt dans le PC parce que j'ai déjà un Pikachu. Genre... Hey. Wow. L'endroit est gigantesque, oui! Là, je vous dis quelque chose. Je suis sûr, 100%, il y a un petit secret par-ci, par-là. Ok, j'ai dit des conneries, c'est bon. Mais bon, attendez une seconde, je vais aller dans la section équipe pour aller prendre ça, déplacer ce petit bonhomme, le mettre ici tôt, voilà. C'est ça, vole toutou, je ne veux plus de lui pour l'instant. Mais peut-être que je peux attendre son évolution pour voir il a l'air de quoi. Et Poké Camping, ah ah! Tu es comme devant la gare, frère? Oh! Poké Camping! Oh, Poké Camping! Vous pouvez vous lier d'amitié avec vos Pokémon en jouant et en mangeant ensemble. Qui sait, peut-être que tout ce fun les motivera à dépasser leurs limites en combat. Oh! Amusez-vous avec les Joy-Con! Wow! Ça tombe bien! J'ai des Joy-Con en main! Pour le bien de cette partie, je suis parti me chercher des Joy-Con. Alors, tout devrait être Tigidou. Détachez un Joy-Con et secouez-le pour lancer des Pokéballs ou agiter le Poké Plumet. Servez-vous de ce dernier astucieusement pour attirer l'attention de vos Pokémon. Ah ah! Jusqu'à 3 personnes peuvent vous rejoindre lorsque vous installez votre campement dans les terres sauvages. Vous y croiserez de nouveaux joueurs et Pokémon en temps de rencontre qui vous donneront l'occasion de vous amuser tous ensemble. Ah, d'accord. Donc, ça ressemble à ça le comment. Donc, je peux faire appeler. Oh oh! Ok. D'après, je fais sortir un jouet. Ah! Après. Ah! Oh, attendez, est-ce que t'es pas... Wow! Oh my god, c'est quoi ton problème, Pépito, man? Allez. Ta-da-dan, ta-da-da-dan. Hey, Mias, oh, Mias, tu veux jouer avec ça? Yo.
Eh oh! Oh oh! Allez, viens! Ah! Non! Ok, non! Je sais toujours pas ce que je me fais attaquer ou pas! Eh oh! Tu veux? Miaouz! Vas-y! Oh oh! Yo! Ok, non! Je vois des notes de musique passer par là, mais on dirait vraiment que je me fais attaquer! Alors, laissez-moi voir ce qu'on peut retrouver dans le menu. Un jouet? Oh! Oh, ok, attendez. Non, c'est. Les chats adorent les babas d'habitude, hein? Oh! Oh! Reprendre la balle! Ah! Attends, Pikachu! Non! Pas toi, j'ai dit Pikachu! Stop it! Ok, t'es un gentil garçon, mais attendez une seconde. Laissez-moi voir. Cuisine! Cuisine! Utilisez des ingrédients et des baies pour cuisiner. N'hésitez pas à incorporer plusieurs baies et à vous servir de vos meilleurs ingrédients pour concocter des plats succulents. Pour cuisiner de bons petits plats, utilisez l'éventail afin d'ajuster la température du feu. Puis mélangez bien avec la louche. À la fin, faites preuve d'un timing parfait pour ajouter une pincée d'amour et ainsi régaler vos Pokémon. Une fois que le plat est prêt, c'est l'heure de se régaler tous ensemble. Déguster un plat peut produire divers effets. Cela peut soigner les Pokémon sur le campement ou bien encore renforcer votre amitié, par exemple. Ah, mais là, j'ai pas vraiment de baies avec moi. J'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup. Regardez ça. Que voulez-vous que je fasse avec ça? Mais bon, on va prendre ça. Let's go! Combien de baies seraient... ok, j'en ai juste un. Je vais tout utiliser! Let's go! Donc, commencez à cuisiner avec les baies sélectionnées. Oui! C'est la première fois que je fais ça, alors si je fais mon coup, c'est tout à fait normal. Voilà. Là. Ah, je peux soit appuyer sur A, soit faire ça comme ça. Ah, ok. Let's do this! Je commence déjà à être fatigué, mais attends. Pikachu, tu veux pas m'aider un peu? Ok. Wouhouhou! Qui veut voir Cooking Papa? Ah, venez chez moi si vous voulez manger de la bonne bouffe. J'aurai de la bouffe super prête. Yo, si, est-ce que je peux... Ah, je peux pas faire ça avec deux Joy-Con pour que ce soit plus rapide. Mais bon, en tout cas, t'es là? Pincée d'amour? Allez, pincée de sel. Est-ce que ça a marché? C'est prêt? Ok. Come eat my brothers! Curé épicé! Yo, t'as pas pensé aux Pokémon qui n'aiment pas comme des trucs épicés? Regardez Pikachu! Qu'est-ce que tu manges? Pikachu a rien pris! Tout ce que Pikachu a fait, c'est ça, regardez! Pika? Alors, nous avons un Wobbuffet qui fait son con, mais bon. Curry épicé, goût approuvé par Culbutoke. Oh, Culbutoke, c'est Wobbuffet! Oh, ok. La moitié des PV a été restaurée, votre équipe a obtenu quelques points d'expérience, vos Pokémon sont devenus un peu plus amicaux envers vous. Nice! Ok, yo, le comment je vais vous avouer quelque chose, c'est super nice. Mais là, y a-t-il autre chose à faire? Quitter. Bon, oh, attendez. Pikachu! Yo! Pika! Pika? Oui! Pika! Et... Non! Flambino! Pas pour l'instant. Oh, attends, Pikachu! Oh! Ok! Yo, vous êtes tous méchants envers ce petit bonhomme! Allez! Ouh! Ok, vous savez quoi? Avant que je fasse attaquer encore, laissez faire. Donc, parlez! Pikachu n'a pas l'air à l'aise. Papoton, on joue plus tard? Non, rien. Attends, papoton. Pikachu veut jouer encore un peu. Dis-moi plus. On joue plus tard. Jouons ensemble. Ok. Alors, tu veux jouer avec quoi? Parce que là, j'ai juste deux jouets. J'ai rien. Oh, yo! Allez, attaque ça, frère. Vas-y, t'es capable. Vas-y. Et oh! Oh non, je vais vous avouer, je pourrais passer ma journée à jouer avec ces Pokémon comme ça. Mais bon, on doit partir à l'aventure. J'ai tenté de quitter le campement et on m'a dit, vos Pokémon ont gagné des points d'expérience grâce au camping. Alright! Oh, Flambino monte au niveau 12. Ok, Flambino veut apprendre double pied. Oh! Ok, qui veut sortir mes petits pieds? Je vais enlever rugissement. C'est pas vraiment une attaque que j'ai... Attendez, non! Pourquoi... Attends, je peux juste garder vive attaque. Pourquoi garder charge quand j'ai déjà vive attaque? Come on, les potos! Faut penser un peu, voyons donc! Ok. Et double pied, voilà, perfecto! Ça, c'est magnifique! Donc, on peut y aller en bas à gauche? Oh! Polo ressemble à ça pour vrai? Ben non! Et viens voir! Tu vois la ville là-bas? C'est Motorbi! D'ici à ce qu'on a...
J'ai du mal à lire ça. D'ici à ce qu'on y arrive, je suis sûr qu'on aura croisé tout plein de Pokémon. Mais c'est Sonia, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis fait tirer les oreilles par grand-mère. Regarde-moi ces petits jeunes qui partent à l'aventure avec toi, tu fais quoi de ta vie? Regarde des séries télévisées, c'est pas une belle vie ça? Alors j'ai le choix entre choisir ah ouais quand même et pas tendre la grand-mère. On va trouver la femme qui est juste devant nous. Juste pour le plaisir. Rien, c'est bon. Ah, vous en faites pas, j'ai l'habitude. Là, la dent dure, mais un cœur d'or. Et votre histoire de Pokémon étrange rencontrée dans la forêt près de chez vous est autrement plus intéressant que ces radotages. Je vais mener l'enquête. Si je découvre quelque chose, grand-mère sera bien obligée de reconnaître ce que je vaux. Tu l'as dit, Bouffy. Ça a l'air tellement galère d'être adulte. Mais non, ça fait un bail que je n'étais pas parti à l'aventure. Ça me fait faire. Attends, ça va me faire du bien de retourner sur le terrain, camper, pêcher. Ça m'avait manqué. Et moi, je vais chercher des antres de Pokémon Dynamax pour me mesurer à eux. C'est le début de mon histoire. Bye, frère. Ouais, c'est ça. Enfuis-toi de moi. Oh là là, il faut qu'il se calme un peu, le Nabil. Les Pokémon Dynamax, c'est pas de la tarte. Il vaut mieux commencer par essayer à Dynamaxer son partenaire avant de s'embarquer là-dedans. Alors là, je veux savoir quelque chose. Comment on peut savoir qui on peut dynamaxer ou pas? Dans les terres sauvages, on trouve des trous entourés d'une espèce d'aura rouge. Ce sont des antres de Pokémon Dynamax. Si tu te sens de taille, tu peux toujours tenter de t'approcher de l'un d'entre eux. En attendant, j'ai un truc pour toi. Boîte Pokémon. Oh! What? Hein? Ok, permet d'accéder aux boîtes PC du centre Pokémon à tout moment pour y déposer ou en retirer des Pokémon. Ah, ok, boîte Pokémon. Grâce à la boîte Pokémon, vous pouvez accéder aux boîtes PC du centre Pokémon. Depuis le menu équipe, vous pouvez... Pardon, il y a quelque chose de coincé dans ma gorge. Alors comme je le disais, vous pouvez ainsi changer les membres de votre équipe pour se faire sélectionner équipe dans le menu principal et appuyer sur le bouton R. Alright! Cette boîte Pokémon te permet d'accéder aux boîtes PC du centre Pokémon. Tu vas maintenant pouvoir changer les Pokémon de ton équipe et garder les autres bien au chaud dans des boîtes. Ah, c'est pas bon ça. Allez, fonce, fais le plein de Pokémon sauvages et un Pokédex à remplir. N'oublie pas, les terres sauvages n'attendent que toi. Thank you very much, amigo. Mais pauvres les Pokémon que je mets dans la boîte, ils vont se sentir isolés, tristes. Est-ce que je peux pêcher avec toi? Ok, alright, attends, t'as quelque chose d'autre à dire? C'est... Ok, non, ok, elle dit la même chose que tout à l'heure, blablaté, par-ci, par-là. Bon, en tout cas, Equipo Amigo, j'appuie sur R, voilà, boîte PC. Non, R. Ok, voilà, pendant un instant, j'avais pas mon coup. Boîte PC, vous pouvez stocker vos Pokémon dans vos boîtes PC accessibles depuis les centres Pokémon. Les Pokémon ainsi stockés peuvent être récupérés depuis n'importe quel PC. Alright, alors, lui là, je vais le prendre avec moi. Je vais voir si c'est vrai qu'il y a deux évolutions à ce bonhomme. Pour l'instant, j'ai quoi? Vol toutou que j'ai pas besoin. Alors, ouais, pourquoi pas. Mais Pikachu, je vais le garder avec moi. Flambino, je le garde avec moi. Et les quatre autres bonhommes, je les garde avec moi. Pour l'instant, ça va être ça, mon équipe. Pas pire, hein? Ouais, il faut avouer que c'est pas pire, parce que si vous dites que c'est pas bon, je vais vous dire quelque chose, je vais pleurer dans mon petit coin. Mais bon, l'heure est venue d'explorer cet endroit magnifique. Oh, il y a plein de... Onyx! Pas de miel? Du miel au parfum riche rassemblé par des Pokémon peut-être vendus à bas prix en magasin. Ok. Pas de miel! Pokéball! Attendez, il y avait quelque chose d'autre qui brillait ici à un moment donné, à moins que c'est à cause de la fille que je vois rien. Vous avez trouvé un message. Les Pokémon géants des terres sauvages sont extrêmement puissants. Si vous voyez que vous n'avez aucune chance de les vaincre, fuyez sur le champ. Alright, donnez-moi une petite seconde. Puisqu'il y a un Onyx devant moi, est-ce que toi tu feras l'affaire? Avec pistolet à eau, ça devrait être good, mais j'ai pas envie de le tuer non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, let's do this! Un Onyx est apparu. Il a l'air très fort! Ouais, tu l'as dit, Bouffy. Et là, vous voyez? Y'a de l'électricité partout! De l'électricité partout le terrain? Oh non! Niveau 26! Wouh! Oh, attends, je peux pas faire. Attends, il faut qu'on barre. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Plus champ électrifié! Pendant 5 tours, les Pokémon au sol ne peuvent plus dormir. La puissance de ses capacités électriques augmente. Ok, par-ci par-là, mais. Yo, ok! Je savais pas que ce bonhomme. Ok, non, c'est fini pour moi. Je suis dead là. Ok. La défense de blablabla. Ok. Regardez ça, je vais quasiment rien faire comme. Oh! Holy god damn it! Attendez. Peut-être que je peux sortir. Ok, je suis dead. Oh my! Ok.
Vous savez quoi? On va s'enfuir. Est-ce que je suis capable? Vous n'avez pas réussi à fuir. Alright, ok. Vous savez quoi? Loupinou, on va l'envoyer parce que regardez son talent. Permet de fuir n'importe quel Pokémon sauvage. Alors, si je n'arrive pas à m'enfuir même avec Goupinou, eh bien, je vais vous dire quelque chose. Je saute par la fenêtre. Ok. Wow. Alright. On a survécu à l'assaut de Onyx. Mais là, cette pluie ne me dit rien. Qui va regarder mon bonhomme, il a peur. Il est parti où? Il est parti sans moi. Si je vais là, il n'y a plus de pluie. Si je vais là, il y a de la pluie. En plus, il y a des éclairs passés par là. Mais bon, en tout cas, vous savez quoi? On va utiliser un petit rappel. Ce n'est pas si grave que ça. Météor, je vais pas utiliser ça. Miel non plus. Attendez, miel? Ok. Non, non, non. Attends. Rappello, amigo. Allez, reviens en vie, Pepito. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est ramener... Pikachu en haut, voilà, comme ça. Bon, je vais vous dire quelque chose. Je la sens vraiment pas celle-là, la terre. Oh, oh, attends. Oh, il y a des bons Pokémon passés par là. Dynavol. Oh, je vais faire un petit combat avec Pikachu. Let's do this. Il pleut. De l'électricité partout, blablabla. Ok, niveau 7. Alright, ok. Donc, on va faire reflet. Yo, j'ai même pas l'attaque éclair. Arrête, Pepito, come on! Arrête, c'est bon. En tout cas, ça sert à rien d'utiliser éclair. Parce que notre bonhomme, c'est un Pokémon électrique aussi. Mais c'est juste que je suis surpris de ne pas avoir l'attaque éclair ici. Gros yeux. Tu me fais pas peur, frérot. Non, non, non. Moi aussi, moi j'ai des gros yeux. Moi, je vais te dire. Toi là, t'es un méchant garçon. Vive attaque! On va utiliser une Pokéball! Let's do this, my brothers! Hiya! Blam! Oh! Ah, pourquoi j'ai encore mes Joy-Con? Ce petit bonhomme à moi! Donc, les données de Dina Volt ont été ajoutées au Pokédex. Il émet des décharges à partir de l'électricité statique accumulée dans sa fourrure et produit des étincelles lorsque le temps devient orageux. Ok, comprendo amigo, ce bonhomme, on l'envoie dans le PC. C'est bon. Alors, j'avais vu des... il s'appelle des Seagulls? Wingulls? Je me rappelle plus. Ça, c'est en anglais. Wailies. C'est complètement différent de ce que je pensais. Wingulls, Seagulls. Complètement différent de Wailies. Voyons donc! Alors nous allons utiliser Vive Attaque! On n'a pas vraiment le choix, c'est le seul truc qui fait des dégâts ici. Donc. Let's go! Rugissement! This is no go! Oh oh! Parce que ça, c'est un Pokémon que je veux attraper et. Let's do this, my brother! Vive Attaque! Oh! Yo! Ça, c'est un vrai combat à la Dragon Ball! Vous avez vu? On disparaît par-ci, par-là, on vole de, en haut, en bas, à gauche, à droite, en diagonale et on se fait des ta-ta-ti, ta-ta-ta! Pistolet à eau. Correct, correct. Il y a ce temps que je peux t'attraper, frérot. Oh. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait s'enfuir. Oh! Ah ah! Ok, montée de niveau. Nice, nice. Il apprend les chouilles. Bon, ok. Il faut avouer que c'est quand même un bonhomme qui a l'air d'un chien. C'est pas vraiment un chien, mais bon, en tout cas, vous avez compris. Il construit son nid le long des falaises et utilise des courants ascendants pour planer en altitude. Ok, go it is. Je t'en vais dans la boîte PC. C'est nice. Maintenant, il y avait un autre Pokémon qui... Ah, c'est qui, lui? Là, il y a tellement de Pokémon à gauche, à droite, ou en bas que... Je sais pas ce qui se passe, alors. Lui, là, je ne veux rien savoir de lui. On va s'enfuir, on va voir si on peut le faire one shot. Okay, attendez, fuir! Ha! Pour vrai, le Dynavolt, là, il savait que j'étais trop puissant pour les... Oh my god, il y a vraiment beaucoup de Pokémon à gauche, à droite, à haut, bah c'est fou. En ce moment, je vois rien de trop intéressant, il y a juste des Dynavolt. Regardez-moi ce champ de Dynavolt, what the hell, brothers? Attends, oh, oh, Metapod, Metapod, attendez, yes! Mais il est où Caterpie? Ah, Crissacier, c'est vrai, Metapod, c'est Crissacier. Ah ouais, parce que pour ceux qui ne savent pas, moi, je connais les noms des Pokémon en anglais et non en français. Crisacier, ça va être tellement dur de me rappeler de ça là, mais faut que je le massacre avant qu'il utilise armure. Allons, garde de journée. Ow. Oh god, man.
J'aurais dû changer de Pokémon. Ok, vous savez quoi? Mieux vaut prévenir que guérir, mais plutôt mieux vaut faire ça le plus tôt possible. Alors on va aller dans la section Equipo, Amigo, Flambino, let's go, on va l'envoyer au combat. Il est plus fort que mon Pikachu et en plus, il y a une attaque qui va faire mal à ce petit bonhomme. Mais peut-être que je devrais pas l'attraper. Peut-être que je devrais attendre Caterpie. Ouais, vous savez quoi, on va le faire, let's go. Ah oui, en passant, c'est vrai. À un moment donné, je me suis demandé pourquoi je peux pas avoir si une attaque est super efficace contre un ennemi ou pas. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'il faut que je me batte contre le Pokémon en tant que tel au moins une fois avant de voir si une attaque est bonne ou pas. Vous voyez, genre, ben, je le savais pas, moi. Et la dernière fois, c'est comme, what the hell, brothers, voyons donc. Ah bon. Non, ce gars-là, il s'est juste en or. Vous savez quoi? Je crois que je vais attendre de trouver un Caterpie. Ouais, je vais trouver un Caterpie avant de faire quoi que ce soit avec lui. Oubliez ça, man. Moi, ça me tente pas d'avoir un Metapod dans mon équipe. Caterpie, oui, mais pas Metapod. Wow, ok, nice. Bon, ben, tout le monde a monté de niveau, c'est super cool. C'est juste que je crois que je vais partir de ce champ de Dynavolt là parce que. Ah! J'en ai touché un sans faire exprès, il s'est fondu dans le décor, come on! Hey, y'a un pompier ici, what up? À moins que c'est pas un pompier. Attendez, vous avez trouvé un message? Dans les terres sauvages, le stick droit sert à changer l'angle de vue. Ouais, j'ai remarqué ça. Inclinez-le pour voir aux alentours. Appuyez sur le bouton L pour regarder droit devant vous. Ouais, mais c'est comme... C'est quoi, le message, ça vient d'elle? Ah non, ça vient même pas d'elle. Salut, j'ai ramassé quelques bidules sympas dans les terres sauvages. Si tu veux, je t'en donne une partie contre 100... What? Oh, 100 W? Ok, c'est ça. Qu'est-ce que tu en dis? J'en ai 220. Ça sert à ça, les W. À faire conclure, j'espère que ça t'aidera pour tes aventures. Vous recevez deux bonbons XP X-Mall. Oh, ok, un bonbon plein d'énergie permet à un Pokémon de gagner un petit peu de points d'expérience. Alors, prends-tu plaisir à apporter les terres sauvages? Sache que certains objets s'obtiennent plus facilement en faisant des raids Dynamax. Ah, ok, alright. Je vois où est-ce que je peux faire des raids Dynamax. Alors, on va y aller maintenant. Attendez. Yo, c'est rempli de... Pour vrai? Yo, il y a juste des Dynavolt ici. Holy goddammit. Let's do this! Donc, entre deux Pokémon, vous apercevrez parfois des faisceaux de lumière rouge dans les terres sauvages. Ceci marque la présence d'un entre... d'un entre de Pokémon Dynamax. Pour l'affronter, il vous suffit d'inspecter l'entre d'où provient le faisceau. Vous pourrez alors inviter jusqu'à 3 joueurs ou commencer le combat seul. Oh! Une grande quantité d'énergie émane de cet entre. Vous avez obtenu 300 watts! Et là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Raid Dynamax, battez un Pokémon Dynamax et vous aurez une chance de le capturer. Oh! Vous pourrez également mettre la main sur des objets rares qu'il est impossible de tenir ailleurs. Les Pokémon Dynamax sauvages sont très puissants. Ils sont capables d'agir de manière inhabituelle et peuvent par exemple lancer plusieurs capacités d'affalier. What? Cheater! Pour les affronter, il est indispensable de former une équipe de 4 dresseurs. Wow! Ok, combattre en solo, ça c'est impossible. Changer de Pokémon, combat à plusieurs, ok, on va le faire, combat à plusieurs. Connexion en cours, veuillez patienter. Alors là, oh my god, on peut faire des raids comme si on était dans un MMORPG. C'est pas croyable. Hein, quoi? Oh, j'ai commencé le... Oh, what? Ok, ça... Oh! On perd mine! Ok, attends, c'est un Pokémon Rush et... Oh! Gros problème, j'ai Pikachu, ça! Ma vive attaque va pas être bonne! Dimoret? What the hell? Ok, c'est bon. Parce que les autres dresseurs qui sont là avec moi... Attends, la puissance du Dynamax... What? Attends, les autres bonhommes qui sont avec moi, là... est-ce que... On est en train de jouer live avec eux ou... Quoi? Dynamax? Oh! Attends, garde au max, normal au max, regarde! Ok, je vais prendre ceci, let's do this! Là, je peux... Pikachu? What? Pikachu et Pixie les armes à gauche, hey, c'est son icône dans Pokémon Jaune. Pikachu ne peut pas utiliser Gardon Max. Opermine utilise. Pikachu de Polo se protège. Assurance. Quoi? Coup critique, ok. Marachi de Nicole, absorbe la lumière.
Ok, attaquer. Alors, c'est quoi? Garde au max, normal au max. Ok, ça c'est... Ce sont des attaques en fait. Ok, garde au max c'est pour se protéger, je pense. Attendez, on va voir la description. Donc, le lanceur se protège de toutes les attaques. Peut échouer si utilisé plusieurs fois de suite. Ok, une attaque de type normal que celle des Pokémon Dynamax peuvent utiliser baisse la vitesse de la cible. Ok, j'ai dû lire tout ça au premier. Une chose que j'avais utilisé garde au max, c'est parce qu'on m'avait attaqué à un moment donné. Holy God, man. Yo, mon Pikachu géant, c'est pas croyable! T'es sûr que c'est une attaque normale, ça? Parce que pour moi, c'est pas une attaque normale! Oh! Wow! Ok, je vais vous dire quelque chose. Les types Pokémon qui se retrouvent juste devant moi sont beaucoup plus puissants que mon Pikachu, mais il faut avouer que le match-up n'est pas trop bon parce que... Wow! Ok, moi je suis complètement inutile. Non mais regardez mon Pikachu, c'est tout simplement fou. Ok, alright, on va faire normal au max. Let's do this. C'est moi qui va donner le coup de grâce. Let's go. Ouais, j'ai vraiment pris le mauvais Pokémon pour faire face à ce bonhomme. Et en plus, avant de commencer la partie contre lui, contre Permis, j'avais vu que c'était un Pokémon Roche et Eau, mais comme un con, j'ai pris Pikachu quand même, voyons donc. Mon permis a faibli, c'est le moment de l'attraper. Ah, oh, ok, avec une Pokémon normale, ça se fait. Oh, vous avez attrapé au Permine. J'ai attrapé un Pokémon gigantesque là-dedans. Est-ce qu'il va rester gigantesque en longueur de journée? Ok, j'ai obtenu des bonbons d'expérience, bonbons Dynamax, Begowave, Beraisin, Tunnelier. What? Tunnelier? Est-ce que c'est dig en anglais? Tunnelier? Comme tu creuses pendant un tour et ensuite tu sors dans le tour pour faire une grosse attaque. Ils vivent par groupe de deux sur un rocher qui leur convient au bord de mer. À marée haute, le duo qu'on perd pour capturer des proies. Ok, eux là, ils font la compétition contre, comment ça s'appelle, Diglett. L'inclure dans l'équipe pour l'instant, juste pour voir ça a l'air de quoi. En tout cas, je peux faire des changements à longueur de journée. Alors, je crois que je vais dire bye bye à... Oh man, je viens de prendre Zigzaton, come on man. Ouais, je crois que je vais dire bye bye à Zigzaton pour l'instant. Juste pour l'instant. Normalement, j'aurais envoyé Meowth dans le PC, mais on m'a dit que ce bonhomme peut se faire Dynamaxer, alors pourquoi pas. Et là, je peux plus. Cet ordre semble vide. Et là, come on! Je voulais pas me battre! Ok, vous savez quoi? On va sortir mon autre Pokémon. Donnez-moi une petite seconde. Pikachu! Il pleut. L'électricité par contre, j'ai. Oh, je vais toujours voir ces dialogues à longueur de journée aujourd'hui, oui? Bon ben, échangeons de bonhomme to amico. Alors, au permis, ah, il est quasiment dead, oubliez ça! Oh! Mais il est niveau 17! Oh, ok, non, je vais pas le faire souffrir. On s'en va. Parce que là, si je l'envoie ici, il va se faire tuer. Alors, je me demande quelque chose. Les autres entrent. Oh, les autres entrent sont actifs. Cela veut dire que je peux faire une tonne de combats Dynamax! Regardez, même ici, il y a quelque chose qui se passe là, c'est juste qu'il ne s'est pas activé, on dirait. Attends, une petite quantité d'énergie s'échappe de cet antre, vous avez obtenu ce code W. Ah, ok. Je comprends comment ça marche maintenant. Oh, yo, Brad, hein? Wow, hello. Je suis resté autour de lui pendant 5 minutes et il est en train de me troll. Mais là, ce bonhomme, il a l'air d'être un Pokémon roche, hein? Alors si j'en vois, ce petit bonhomme qui s'appelle Kiddo-Clock. Ça devrait être Tigidou. Je sais même pas si c'est un Pokémon Roche, mais puisqu'il est brun et il est sorti de la terre, je vais assumer que c'est un Pokémon Roche. Ou même un Pokémon. Ah, oh, si c'est un Pokémon Terre. Ah, oh, bon, en tout cas, on va le capturer. On va voir ce que ça donne. Ils sont là. Oh! Affilage? Ok. C'est bon. Ah, j'avais raison! Mais il est niveau 15, le bonhomme! Ok, vous savez quoi? On va tout faire pour le capturer. Je sais pas si cela va marcher là, mais je vais tenter le coup.
J'ai déjà capturé un Pokémon level 17, alors je peux faire ça avec un bonhomme niveau 15. C'est juste que si je me fais attaquer maintenant, je suis dead. Man. Ok, comment je fais ça? Tous mes Pokémon vont se faire sacrifier si ça continue comme ça. Yo, Opermine. Donne one shot. One shot, s'il te plaît. J'ai juste besoin que tu l'attaques une fois dans ta vie. Alors, pistolet à eau. Oh non, tu vas le tuer avec ce pistolet à eau. Man, je suis sûr qu'il... Je suis sûr qu'il est dead. Oh, plus... Ah, come on! Really, son? Alors, vous savez quoi? Mange mes pieds, frérot! Come on, non, non, arrête avec les attaques. Yo, tu vas me faire... Oh, non, come on, brother. Yo. Ah, je savais que ça allait être efficace, mais je savais pas que ça allait pas faire autant de dégâts. Allez, j'ai encore la chance de l'avoir. Attends, c'est pas terminé. Gigotage. Ow. Oh, God, man. Come on. Alright. Je sais que je peux pas l'attaquer encore une fois. Alors, est-ce que je tente de l'attraper? Yo. YOLO? On y va, YOLO? YOLO! Wouhou! Excaravente à moi, Pepito! Wouhou! Tout le monde a monté des niveaux! Ben, tout le monde. La moitié de mon équipe, plutôt. Aussi puissant qu'une pelleteuse, il peut venir à bout de la roche la plus dure. On fait souvent appel à lui pour forer des tunnels. Et en plus, il est aussi de type normal. Ah, ok, ouais. C'est bon, d'accord. Donc, on va l'envoyer dans le PC, là. Parce que lui, c'est pas un bonhomme qui m'intéresse. Même s'il est super puissant, vous avez vu, il est niveau 15 quand même. En tout cas, mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors, aujourd'hui, on a découvert à quoi ressemblait Dynamax. Vous avez vu, mon Pikachu, il était comme ça. Et moi, j'étais comme ça. C'était fou. Sauf que mes attaques étaient plus pourries que les petits bonhommes qui étaient mes partenaires. C'est pas croyable, là. En tout cas, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe dans le ciel. Allez dans la porte de sort pour vous procurer un t-shirt de la mort de ce genre. Le lien est juste en bas de la vidéo. En fait, il est partout. Alors, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Vous me faites plaisir en vous faisant plaisir. En tout cas, vous voyez, ça va dans le sens. Thank you very much for the support. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!